Yo tout le monde, la vidéo aujourd'hui, vidéo en PVP les amis, encore une fois, avec la team Archange, mais en sub avec Gil. Une vidéo que je voulais présenter il y a quelques semaines, quelques jours même, sauf que j'avais pas le stuff opti pour Margaret, parce que oui, le stuff opti pour Margaret dans cette team, c'est clairement triple def les amis, un triple def c'est aberrant comment c'est trop cheaté, et ce qui rend la team broken, t'es en mode mais qu'est-ce qu'il me raconte, pourquoi il ramène Gil et pourquoi c'est aussi fort? Bah les gars, n'oubliez pas qu'en fait, le passif de Maël en PVP, on peut pas réduire tes stats. Et ça les gars, c'est juste overbroken. C'est peut-être, le truc le plus cheaté sur le jeu. C'est n'importe quoi que je monte dans la méta, ça permet de jouer certaines teams. Et surtout qu'en fait, ça permet aussi de counter les chandeleurs parce que t'es full def. Le shield d'Elisabeth, il va être très très bien, tu vas tanker. Le chandeleur frérot il va te mettre des patience, enfin des patience, j'abuse un peu tu vois. Mais en tout cas il va pas te faire non plus énormément de dégâts. Et vraiment c'est un giga counter contre les chandeleurs, même d'autres teams. C'est ultra fort et surtout qu'en fait Gil augmente les stats liées à la défense de 30% en PVP. Donc, qui dit stats liées à la défense? Bah def crit, res crit, résistance etc. Et du coup forcément la défense. Mais on peut pas réduire tes stats en fait. Et c'est ce qui fait que la team est beaucoup trop forte. Vraiment, elle est trop forte. Vous allez voir qu'on tank énormément. D'ailleurs, j'ai pas stuff mon Gil, parce que j'ai envie de commencer en deuxième. D'ailleurs, c'est quoi ce stuff CP box? The fuck? Pourquoi j'ai ça, mon bref? Ok. Le set de cartes, le voici. Voilà, voilà. Maël et notre amie Elisabeth sont en HPDF. Je vais pas mettre de bouffe, volontairement. Voilà, comme ça, moi, c'est comme si t'étais en top 100, quoi, un truc comme ça. Même en top 100, c'est pas mal, hein. Vraiment, les gars, c'est très très fort, hein. Le but, c'est de commencer en deuxième. Bon, là, j'ai pas mis def crit, etc. sur notre ami Maël, parce qu'en fait, ça sert à rien. Genre, vraiment, ici, la def crit sert à rien, parce qu'on va dire tu la gagnes, entre guillemets. Donc là, bon, ok. Je pense que c'est un bot, hein. Tu la gagnes, entre guillemets, avec... avec Gil, même si, en vrai, c'est pas non plus un gain de ouf, tu vois. Bon, on fight un bot, donc forcément... 3200. Lol. Et bah, du coup, la défense sur le personnage... Ouais, tu vois, on a 27000 de def, quoi. Genre, c'est une dinguerie, hein. Regarde, def crit, res crit. Non, mais regarde, en fait. C'est trop fort, vraiment, c'est trop fort. Même la résistance, c'est beaucoup trop cheaté. Donc on va faire ça, on va augmenter nos stats. Donc hop, malus. On va jouer la team tranquille, les gars. T'as vraiment aussi... D'ailleurs, j'ai pas regardé Maël, mais c'est pareil. Hein. C'est aberrant quand même. Ah là 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 là. Team de zinzin de l'espace, on est là. Hein. Bon, allez, il va casser forcément, c'est Melio. Ah là là, le mec a zèle en sub d'ailleurs. Oh, on prend rien, on prend rien. Dis-toi là, c'est Esta qui tape sous 3 3 darkness, hein. Vraiment une dinguerie. Hein. Donc là, du coup, on va se prendre une grosse AOE a priori. Faire ça, ça. Donc j'ai tapé ça qui est chiant en fait contre Melio, les gars. Vous savez à quel point c'est très très fort. Oh les dégâts. Hop, on va cleanse, comme ça il n'y aura pas de stats. Nous, on augmente nos stats, etc. C'est vraiment pas mal. Hop. Bon, le seul truc, on va dire, peut-être Elisabeth, faut quand même la stuff. En def crit, etc. Parce qu'en vrai, c'est quand même complicado. Ok. Patience. Proc revive ou pas? Ok, limite. Ah non, on prend quand même. D'accord. Bon, on prend aucun dégât. On prend aucun dégât, hein. Regardez, les gars, on prend aucun dégât. Dis-toi, il m'a mis ce... Son skill, le skill le plus fort. Ouais, c'est aberrant, hein. Vraiment, c'est une aberration. Fais voir les stats. Hein. Ouais, 30000 de def. En fait, tu veux faire quoi? Genre, vraiment, Maël aussi, fais voir. Hein. Ouais, Maël aussi doit bien manger le bougrin. Ouais, le fou. Allez, hein. Hop, on booste. Ah, des barres, hein. Des gigas là, michette. Hein. Allez, frérot. On n'est plus là, hein. Non mais c'est trop fort, hein. Vraiment Margaret en triple def avec Gil, c'est une aberration parce que tu prends aucun dégât. Et si tu fight un bot d'ailleurs, ça focus Margaret et Margaret elle prend vraiment aucun dégât comparé à
Elisabeth. Hein. Donc là, faire les dégâts. Peut-être patience, imagine. Bon, j'abuse un peu. Hein. Ok. Donc là, par contre, on doit avoir des stats de zinzin. On a combien de stacks, je crois. On va être à 4, du coup. Bah, déjà, avec 3 stacks. Regarde les stats supplémentaires. D'ailleurs, Elisabeth, fait voir les restes, du coup. En vrai, tu vois, ça va. Mais Elisabeth, tu vois quand même qu'elle a besoin de... De death crit, quoi. Après, ce qui est chiant, c'est que si... Si tu mets de la death crit, forcément, tu perds de la death, quoi. Donc, en vrai, c'est pour ça, les gars, je vous ai dit, avec Guy, le... Quand même mieux de laisser le HP def classique. Hein. Pour la Maël, hein, comme d'habitude. Ah là 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 là. Des barres, hein, vraiment, des gigalarmes. On tanque, les amis, on tanque. Aïe, 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 aïe. Le shield d'Elisabeth aussi, qui est totalement overbroken. C'est ce qui fait la force de la team aussi, hein. Elisabeth. Elisabeth est trop forte, vraiment. Dans la team Maël, je le redis, Elisabeth, c'est beaucoup trop cheaté, en fait. Ok, encore un Chandler, c'est pas mal. Commence en premier. J'espère que c'est un vrai joueur. Ça serait cool. Bon, j'ai la même main que tout à l'heure, donc ça, c'est un peu chiant, par contre, je trouve. Ok. Bah, bot aussi, hein. Ah, le truc, c'est qu'en fait, il y a que des bots dans le jeu, c'est chiant. 7500. Donc là il va faire ok il tape avec Melio. Ah regarde Melio le dégât qu'il fait hein. D'habitude c'est plus hein Melio hein. Vraiment d'habitude frérot c'est la chicha hein. Ah il se fait plaisir le bougon. Tu vois ce que je veux dire. Bon c'est vrai qu'on a beaucoup trop de dev quand même hein. On va juste rusher Maël. Après on mettra notre shield hein, d'Elisabeth hein. Écoute. Full counter. Ok. Ça aussi, en vrai, les gars, ce skill, c'est trop fort. Ça met une réduction de 20%. Ouais, c'est fort, hein. Très, très fort, même. Hein. Ok, là-haut, ça, on va prendre cher. Bon, on prend rien, en vrai. Hein. Genre, dis-toi, c'est Nao level 2, Meliodas avec plein de stacks, en fait. Ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud, les amis, hein, vraiment. Donc là, par contre, ça sert à rien de mettre ce skill. Donc, on va juste jeter... bah, la mono-cible, en vrai. Hop, let's go. Allez, mon refton. Allez, on passe hein, maintenant. Go, on est là. Ah là là là. Bon, maintenant le. Allez, Chandler, tape vite fait quand même pour voir la puissance. Ok. 23 000. Normalement, il casse hein, tous les jours. Ha. Ah là là. Marrant. Ah là 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 là. C'est un peu fort, on me dit dans l'oreillette. Avant, je vais taper quand même avec notre ami. On va shield à la fin. On va faire un petit stack de réduction de Melio. Là, c'est fort, hein. Allez, hein. Ça bouge. Merci de passer, mon frérot. On aime bien, hein, vraiment, on aime bien. Oh, les gars, AO level 3, let's go. Contre le Zell solo. Oh my god. Allez, Maël. One shot, mon ref. Voilà, quel bon perso, lui aussi. Hein. What, une team défense. VS une team défense. Pas mal. Bot, vrai joueur, bot. Ok, vrai joueur. C'est rare ça de fight des vrais joueurs. En vrai, je pars du principe que lui joue à ton. Combien de défense? Donc là, Guy Blanc en sub, de toute façon, on pourra pas voir. Ok. Je pense qu'un item evoil lui tous les jours. Hein. Pire, je le tape, c'est pas grave. Hein. De toute façon, je prends 0 dégâts. Ok, bon, j'ai stacké un peu Naofumi. Bon, c'est pas dramatique. On s'en fout. Gilver en sub, du coup, là, c'est Gilver parce qu'en vrai, 7000 de def. Pas beaucoup quand même, hein. C'est pas beaucoup 7000 de dev, je trouve. Donc là, par contre, ok, il va ult rush. D'accord. Intéressant. Il va ult rush King. Ok. Donc là, il y a Gilver en sub, lui.
Ouais, c'est vraiment problématique en fait, hein. Est-ce qu'on peut le stun en vrai? Bonne question, hein. Je sais pas si on casse le shield déjà. Ok, bon, on casse, tant mieux. On a de la chance d'avoir un stun, etc. Les cartes en vrai sont trop bien placées, hein. Vraiment, les gars, on a de la chance, hein. Après, c'est Elisabeth, hein. Elisabeth, les amis, elle pardonne pas, hein. Vraiment, les gars, Elisabeth, c'est beaucoup trop cheaté, hein. Donc là, il va taunt, etc. Il va taper, il va essayer de tuer quelqu'un. Je sais pas si en vrai il me fait beaucoup de dégâts le Naofumi, lol. Naofumi, les gars, vraiment. Attention. Ah, ça va, en vrai, je m'attendais à moins de dégâts, honnêtement. Elle va taper. Est-ce qu'elle met au one shot? Ouais, elle crit pas, en fait, c'est ça le problème. Donc là, il va live le mec, comme d'habitude. Donc là, on va juste. Cleanse, shield, spé. On va augmenter nos stats, on va mettre un shield comme ça le mec il pourra pas passer. Donc là on augmente nos stats et aussi on prévoit la fin de game. Enfin la fin de game, on va dire l'après Naofumi revive quoi. Donc là one shot, hein. Lol. Réduction 60% parce qu'on a spé 6. Notre ami Maël, hein, totalement pay to win le perso. Petit rappel. Allez hein, le... Oh level 3, ça par contre frérot, ça look bien ici hein. Ok. Ah oui, mais la level 3 comme ça, lui. Oh, il prend quand même cher, en vrai, hein. Il prend quand même cher, hein, parce que là, en vrai, le mec, il est quand même bien stacké. T'as un mail link. Faire gaffe, hein. Faire ça, du coup. Faut pas réduire nos stats. Hein. Donc ça se paye en plus, paye 5 Naofumi, d'ailleurs, le mec. Hein. En vrai, lui, il mange bien, hein. Tu vois ce que je veux dire. Lol. Ouais, t'as de main qui me tue, hein. Il vous a tenté. Ah, il va pas se payer, d'accord. Ok. Putain, le mec, il bug, hein. Vraiment, le mec, frérot, il habite tout, en fait. Putain, il vient de lancer son téléphone ou ça se passe comment, en fait? Frérot, yo. T'as mon ref. Ah, la connexion, ouais, on est là. Hein. Attention. Hein. Ok, bah le mec a lancé son téléphone. Le mec en a eu marre en fait. J'ai dit, bon, bref, on a perdu. Ok, ok, ok. Ok, on fight. Par contre, le truc qui est cool, c'est qu'on fight que des meilleurs chandeleurs. Donc ça c'est pas mal, j'en parle au début de la vidéo. Après malheureusement bah, on fight des bots. Mais ça les gars je peux rien y faire hein. Y'a que des bots sur le jeu hein. Genre personne joue au jeu donc bon. Ok donc ça c'est un bot forcément. Il tape le perso avec le moins de PV. Quand on prend rien hein, genre vraiment hein. Bon ça on prend quand même un petit 40 000. Ça va. Ouh. Ok. Oh la level 3 taunt. Oula! Ça par contre frérot c'était pas prévu hein. Du coup on va pas mettre, on va mettre le la single target vu que ça fait plus de dégâts. Parce qu'en fait la single target fait énormément de dégâts et s'il y a un taunt level 3, bon si c'est vraiment un taunt level 3 les gars hein, je peux le garantir. On va pas faire le mec tu vois. Attends il a pas mis. Oula. C'est bizarre ça. Oh, unlucky ça par contre hein. Unlucky les amis hein. D'accord. 47 000 de régène, ça va. Bon on va faire ça, écoutez les gars, on va jouer classique hein. Hop. Cleanse shield. El famoso. En vrai, on a peu de chance au Margaret parce qu'au final, elle s'est pris un gros one shot. Oh! Ok, il est passé. Bon, bah, Margaret est morte, les amis, rip. Hein. Margaret est die. Hein. Peut-être moins qu'on meurt en vrai. Hein. Genre, en vrai, les gars, il y a peut-être moins qu'on die là. Hein. Focus sur qui? Ok, là, elle est morte, elle. Yep. Ah, en vrai, on a pas eu beaucoup de chance quand même, hein, je trouve. Hein. En gros, on a mis, le mec a mis un pixel, etc. En vrai, c'est terrible, hein. Vraiment, c'est terrible, hein.
Oh là, luck mon pote, luck de zinzin de l'espace. Hein. Enlever un petit stack. Après le tout, c'est que là, on a spécis le perso, quoi. Donc forcément, on va peut-être one shot. Hein. En plus, on a un stack en plus. Hein. Donc on a mis le debuff avant. Bim. Ouais, bah spécis qui me carry clairement. Hein. Ouais. Bah écoutez les gars, il m'a mis un pixel, donc ça fout le seum. Parce qu'au final, on n'a pas profité du revive daily. En fait, ça, le défaut, c'est que des fois, tu peux te faire troller sur le revive daily. Mais sinon, ouais, les gars, c'est très très fort. Hein. Vraiment, les gars, c'est bien cancer, hein, faut dire les termes. Bon, là, on a une petite level 3. Je vais pas la mettre, j'ai buff, guile. Et on va taper. Voilà. Let's go. Apparemment, eh. Tu vois, le gros défaut de Maël, je le redis, tu perds les archanges, bah tu fais rien dans ta game en fait. Vous avez vu les gars? Comment le perso fait rien du tout? Genre moi c'est une dinguerie hein, le perso, t'enlèves des archanges, bah c'est finito en fait. Tu vois c'est ça, le gros défaut de Maël, c'est pour ça qu'on fait spécis aussi ça carry, parce que tu fais tellement de dégâts, avec l'aspé, que clairement tu vois que bah l'aspé c'est clairement... dans certaines situations, overbroken, hein. Moi j'ai spécis, vous avez vu les gars, j'ai mis un gros one shot. Hein. J'ai perdu limite la moitié de mes dégâts parce que j'ai perdu deux archanges, quoi. C'est terrible. Hein. Donc ouais les gars, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, pour être au courant des nouvelles vidéos, des bisous, tchou.